je te le dis, Manu. C'est pas croyable, ma famille. C'est vraiment la famille idéale. Mais d'abord, il y a mon frère Nathan. Nathan, c'est vraiment le type même du gars à la mode. Mais attention, hein, il suit pas les modes, il est devance. Il s'habille dans les friperies avec des vêtements 100% recyclés. Puis il y a Simon. Simon, c'est un intellectuel engagé et passionné de sudoku. Sudo quoi? Cul. Puis il y a mon père. Mon père, lui, est permissif et évolué. C'est un chercheur brillant et mondialement reconnu sur le point d'inventer un remède contre le cancer, puis le sida, hein, qui s'habille toujours, toujours, toujours en film naturel. Quoi? Tu veux me parler? Ah! Tu veux me voir ce soir? Mais oui, ben viens souper. OK? OK, à tantôt. C'est ce soir que Manu va me faire sa déclaration d'amour, c'est sûr! Enfin, il commence à être temps! Mais, comment tu vas faire pour que ta famille ressemble à ce que t'as décrit à Manu? Il va bien se rendre compte que tu disais n'importe quoi. Simon, intello. Ouais. C'est sans parler de... Non, rien. Sans parler de quoi? Je peux pas te le dire. Annabelle, tu sais que je suis meilleure que toi à ce petit jeu-là. Dis-moi-le donc tout de suite, là, on va sauver 10 minutes. J'ai vu Manu avec une autre fille. Ah ouais? Puis? Ben, ils avaient l'air pas mal complices. Complices? Complices comment? Ben, tu sais, des regards, des sourires, des fous rires. Il l'a chatouillé, puis là, ben, elle lui a tapé une fesse. Ah, oh, j'ai pas été assez rapide là-dessus. Hein? Pour lui taper une fesse? Mais non, là, c'est moi qui aurais dû faire les premiers pas. Là, il vient pas m'annoncer qu'il veut sortir avec moi, il vient m'annoncer qu'il y a une blonde. Puis il vient annoncer la nouvelle à sa bonne amie Marianne. Arrête, j'ai mal au cœur. OK, pas de panique, pas de panique. Si je manœuvre bien, je dois être capable de battre l'autre fille. Hi, elle avait l'air pas mal costaude. Mais non, la battre avec mon charme, nounoun. Manu? C'est encore moi. Je me demandais si ça dérangeait qu'on se rencontre à mon atelier au centre des loisirs maintenant. Non? Non, c'est juste parce que j'ai une étudiante qui a besoin de trucs de haute couture. OK. OK, à tout de suite. Bye. Ton atelier. Ben, il faut ce qu'il faut, hein. Est-ce que t'es prête à m'aider? Mais voyons, question superflue. Je vais venir te rejoindre à Vancouver pour la semaine de relâche. J'ai réussi à ramasser l'enfant qui me manquait. Ouais, ça a pas été facile, mais l'important, c'est que je m'en viens. Ah, cool! J'ai tellement de choses à te montrer. Le parc de freestyle à Edmond Seymour est belle. Tu voulais Bruce Mountain, c'est à côté de chez moi. J'ai tellement hâte de venir te rejoindre à Vancouver, Thomas. Ouais, la confiance règne. T'as même pas encore acheté ton billet d'avion. Oh, je pense qu'on a un petit problème de connexion, Tom. Ah... Qu'est-ce que tu lui as dit à Thomas? Ben, je lui ai dit que c'était presque sûr que je partais, là. Ah. Et il te manque combien? Presque rien. 60$. Permets-moi, en ma qualité de père de famille, de te faire deux remarques. Un, je t'ai dit que je t'avancerais pas les 300$ tant et aussi longtemps que t'aurais pas ramassé ta partie à toi. Je le sais. C'est comme si c'était fait. Ah oui, et deux, je t'ai dit plusieurs fois que le spécial sur ton billet d'avion se terminait ce soir 9h. Après ça, ça va te coûter 200$ de plus. Tu m'as dit ça? Simon... Papa, hein? Tu pourrais peut-être me les passer, juste en attendant? Néo, on a une entente, là, j'en reviendrai pas là-dessus. Je viens de dire à Thomas que c'était officiel que je partais. Mais je veux dire, comme notre très sympathique voisin, c'est pas mon faute si t'as fabriqué un manteau dans un pot d'ours avant de l'avoir tué. Tu comprends, le voisin, toi? Ah, papa, tu tombes bien. Bon, tu veux m'emprunter de l'argent, toi aussi?
Non, il y a une super méga démonstration de patins roues alignées extrêmes au Centoise. Oise? C'est à l'autre bout de la ville, ça? Tu veux que j'aille te reconduire? Non, même pas. Sarah, il va aussi. Sa mère va aller nous reconduire. Puis elle va même venir nous rechercher. Bon, ça a l'air tout beau. Vas-y. Merci. Merci. As-tu oublié de me dire quelque chose? Ben, ça finit à 10 heures. On va être ici vers 10 heures et quart. Ça veut dire 10 heures et demie. Un soir de semaine, il n'y en est pas question. Mais c'est un jour 7 demain. C'est une super petite journée. J'ai éduque, puis une période de travail libre en anglais. Et puis tes autres cours, c'est quoi? Maths puis français. Oui, petite journée, oui. Est-ce qu'on peut t'aider, Annabelle? Non. Faites comme si j'étais pas là. Continuez d'agir normalement. Tout à l'heure, je vais vous donner des petites notes sur ce que vous pourriez améliorer. Papa, je vais prendre tous les moyens nécessaires pour avoir les 60$ qui me manquent. Tu vas voir, je vais y aller à Vancouver. Ben moi, je te le dis tout de suite, là, si tu voles une banque, là, c'est pas à Vancouver que tu vas te retrouver, c'est en prison. Ah, Simon, avant que j'oublie, il faudrait que tu montes voir Marianne, c'est super important. Ah, OK. Et c'est pas juste! Simon a le droit d'aller à Vancouver puis pas rentrer à la maison pendant une semaine, puis moi, je peux même pas rester en ville puis rentrer à 10h15. Oui, c'est vrai que c'est injuste. Quelle espèce de père tu es, Claude, hein? Ben, un espèce de père qui aime pas tellement que l'ami de sa fille lui fasse la morale. Quand t'auras l'âge de Simon, là, t'auras les mêmes permissions que lui. Bon. À mon âge, Simon avait plus de liberté que moi. Des exemples? Et t'as pas fini avec moi. Bon, OK, Claude. Je vais te donner les notes des choses qu'il faudrait que t'améliores avant le speed ce soir. Annabelle. Première note, il faudrait que tu glisses quelques mots scientifiques dans la conversation. Tu sais, ça fait toujours très impressionnant. Comme? Oméga 3. Qu'est-ce que tu voulais me dire, sœur? J'ai besoin de ton aide. Non, j'ai pas le temps. Simon, s'il te plaît, là, j'ai besoin de toi pour faire craquer Manu. Ah, t'as besoin de mes conseils de grand séducteur. Non, merci. J'ai pas envie de me caler. Tu sais pas ce que tu manques? Non, Simon, c'est juste une blague, là. S'il te plaît, là, j'ai besoin de toi pour faire croire à Manu qu'il y a plein de gars qui s'intéressent à moi. N'empêche, j'aurais été super bon pour donner des conseils à ma sœur. Tu dois installer une stratégie de défense un contre un. Et maintenant, quand tu vas installer cette stratégie de défense, tu peux faire le jeu. Hein? Ah! OK, oublie ça, là. On va passer en stratégie offensive. Okay. Offense. OK. Marianne, tu dois te concentrer à conserver ton corps positionné entre le joueur adverse et son but. Son but, Marianne! Ah! T'as des beaux yeux, tu sais. Aïe! Ah, OK, c'est ça. Changement de stratégie. OK. Clin d'œil, buste et petite moue rieuse. Non, c'est bon. Le problème, c'est que ma sœur saurait pas comment utiliser mes précieux conseils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, donc? Presque rien. Mais, attends. Qu'est-ce que je vais avoir en échange? Qu'est-ce que tu fais de l'entraide gratuite entre frères et sœurs? La générosité, le partage, pas des valeurs importantes pour toi, ça? Oh oui, tellement. Je vais faire 3 de tes corvées de vaisselle. Non. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'argent. Mais 10$, puis pas plus. Puis je veux que tu saches que je compte le fait de payer mon frère pour avoir de l'aide. C'est la première puis la dernière fois que je fais ça. OK. Mais fais ça vite, parce que j'ai un rendez-vous au centre des loisirs. Ah oui? C'est pas une fille. J'ai rendez-vous avec un gars qui va me donner un moyen de faire de l'argent rapidement. Mais ça tombe bien que t'aies affaire au centre des loisirs. En tout cas, donne-moi l'argent tout de suite, j'ai pas envie de me faire avoir. Comment ça se passe avec Claude? Oh, ça s'en vient, ramolli, là, je vais l'avoir à l'usure. Là, il faut que tu t'occupes de Nathan aussi, parce que moi, il faut que je m'occupe de ça, là. Hein? Nathan? Oui, mais là, dépêche-toi. Mais non! Allez. Tu trouves pas que j'en fais assez, là? Marianne! Oh, Annabelle, attends! Tiens, j'ai ça pour toi. Oui!
qu'est-ce que Nathan et Claude viennent faire dans cette histoire-là? Ben, je veux améliorer la famille pour la visite de Manu. Je suis content de voir que tu m'as rien demandé d'améliorer. Ça veut dire que je suis parfait, ça. Mais non, ça veut dire que t'es un gars désespéré. On peut rien faire avec toi. Très drôle, ça me tente plus, prends ça. Ah, Simon, voyons donc, c'est une blague. Heureusement que Marianne m'a montré une photo parce que je l'aurais jamais reconnue. Je m'attendais à un genre de bébite. Salut! Salut. Est-ce que t'as vu ma sœur? Ben, ça dépend. C'est qui ta sœur? Ben, c'est... Ah, excuse-moi, c'est Marianne. Non, je l'ai pas vue. Ça doit être Nathan. Ah, non, moi c'est Simon. Ah, faut vraiment pas suivre aux apparences. T'as vraiment pas le look d'un intello, toi. Oui, c'est vrai. Je suis un intello engagé, moi. Ouais, ben j'ai oublié mes lunettes puis mon livre dans les locaux du Parti Vert. J'ai assisté à une conférence sur le réchauffement de la serre. Toi, tu dois être Bryce, c'est ça? Non. Je suis juste Manu. Manu? Ben, moi, j'avais parlé de toi. Désolé. Je pensais que t'étais... Ben, Bryce, c'est un gars qui tripe sur ma sœur, puis quand je t'ai vu, je là, me suis dit... Là, c'est drôle, Marianne m'a jamais parlé d'un Bryce. Ah. Je peux pas le croire. Le plan de ma sœur a l'air de marcher. Non, Lydia. Allô, je me suis déplacée juste pour toi. Ton cours de haute couture, là, as-tu envie de le suivre? Oui. Ma deuxième ligne qui sonne, c'est parce que j'ai tellement de gadgets sur mon nouveau téléphone. Ouais. Super occupée. Allô? Salut, Anna, Tasha. Et je vais te rappeler, OK, parce que je suis sur l'autre ligne, d'accord? Bye-bye. Lydia. Bon, ben, OK, on va se voir demain à la même heure. Puis sinon, c'est fini, tes cours privés. Bye. Hé, t'es une dure de dure avec tes étudiants, toi, hein? Oui, c'est parce que c'est pas une partie de boulot, hein? Alors, c'est une partie de ping-pong, ça joue à deux. Ah, ben oui. Marianne, il faut que je te dise, je lui ai parlé de Bryce. Bryce? Bryce, le gars qui tripe sur toi? Ah! Oh, Bryce! Nice! T'es donc bien maladroit? Désolé. Laisse-moi faire. Bon, je vous laisse. Salut, Manu. On se voit au souper. Salut, Nathan. Ouais, on se voit au souper. Je suis vraiment désolée que mon frère t'ait pris pour quelqu'un d'autre. Ah. Toi, t'as beaucoup d'étudiants? Non. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai pas vraiment le temps d'en prendre d'autres. Hein. Il y a tellement de demandes, c'est ridicule. Ah. Tu veux-tu voir mon plan de cours? J'aurais préféré voir la prof donner son cours. Veux-tu des crudités avec la trempette avant le souper? Non. Oh, des biscottes, là, délicieusement badigeonnées avec du fromage en tube, là. Pas chimique du tout. Hmm? Non, je mangerai pas tant que tu changeras pas d'idée pour ma sortie de ce soir. Attends de voir le souper que je te prépare, là, je te le dis, ton estomac va laisser tomber sa grève la faim. Tu me traites vraiment comme un enfant de 6 ans. J'ai décidé que je mangeais plus, puis y a rien qui va me faire changer d'idée. Depuis quand t'aimes le patin à roues alignées? J'ai quand même pas pour lui dire que c'est depuis ce matin. Il comprendra pas. Ça fait un petit bout. Mais pourquoi t'en parles pas d'abord? Ce serait pas un prétexte pour rentrer plus tard? C'est pas parce que ça fait pas longtemps que j'aime ça que c'est pas important. Non, j'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit surprenant. Surprenant? Quoi, tu penses encore que je joue à Billy Joe? Mais oui, honnêtement, j'ai jamais dit ça. Je joue plus à Billy Joe. Bon, Claude! On a du boulot sur la planche avec toi. Annabelle, j'ai oublié quelque chose au sol. Tu sais quoi, là? T'as quelque chose à me demander. Mais non. En fait, pas moi. Ta sœur Marianne, elle a besoin de ton aide. Puis pourquoi elle vient pas me le demander elle-même? Elle est débordée. C'est juste deux ou trois petits trucs à essayer. S'il faut que je me déguise, ça me tente vraiment pas. Attends. Ta-da-da! C'est beau, ça, hein? C'est dégueu.
Mais non, ça va faire de toi une icône de la mode. Un clown de la mode, tu veux dire? Bon, OK. Marianne a invité son ami Manu Aspé, puis il vient d'une famille qui se peut pas. Son père est ambassadeur, sa mère est chanteuse d'opéra. Si on les compare à vous autres, vous faites pas le poids. C'est pour ça qu'elle veut que tu changes de vêtements. Je suis pas correct comme je suis. Mais non, 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 t'es parfait. C'est juste ton linge qui fait dur. C'est le fun de se faire dire par un ami de ta sœur que t'es pas correct. Non, pas déjà Manu. Oh, Fio, c'est juste toi. Comment ça, c'est juste moi? Ah, en passant, t'es au courant, il faut que tu portes des lunettes pour le souper de ce soir. Non, j'ai négocié autre chose avec Marianne. C'est pour ça que ça lui a coûté 10$. 10$ que j'ai pu, d'ailleurs. Fallu que je le donne au gros Bédard pour... ça. Mais là, franchement, je trouve que ça fait pas mal cher pour un bout de papier déchiré. Oh, attention, Annabelle. Ce bout de papier déchiré-là va me rendre riche. Ah ouais! Ah ouais, c'est un site pour faire de l'argent, ça! Simon, téléphone! Prends le message, je suis occupé. Fais cocasse à Kipling un trombone contre une maison. Là, ça fait pas très sérieux. C'était Étienne au téléphone. Je le rappellerai tantôt. Je le rappellerai pas trop tard, moi, parce qu'avec la neige qui tombe ce soir, là, il a besoin de ton aide pour pelleter l'entrée de ses voisins. Il est prêt à t'offrir 30$. Papa, j'ai trouvé un moyen beaucoup plus simple de ramasser l'argent qui me manque. Là, c'est pas avec ça que tu vas faire de l'argent. Ça, c'est une histoire de troc, là. C'est un gars qui a échangé un trombone rouge contre un crayon en forme de poisson, le crayon contre une poignée de porte, et ainsi de suite. Et un an après, il s'est retrouvé avec une maison. Un an? J'espère que tu vas demander un remboursement à Bédard. Bonne chance. Ah oui, Claude, attends-moi, non? Non, non, oui, 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 je vais te dire aussi, mon dame. Ta pousse, là. Ouais, Étienne. C'est Simon. Je m'en viens avec une pelle. Bye. Enfin, je vais pouvoir passer du temps avec le fameux Manu. Ben là, vous voyez souvent ce job quand même? Ouais, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé ensemble. Ah, ben là, on va pouvoir le faire. Aimez-vous mieux que je vous laisse tout seul? Ouais, s'il te plaît, c'est parce qu'on parlerait de toi. Non, je vais plutôt aller refaire la décoration de la salle de bain. En sortant à droite. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah non, rien. Mais quand il va revenir, là, observe-le discrètement. Faut absolument qu'on sache ce qu'il pense vraiment de moi. Mais pourquoi tu lui demandes pas? Mais oui, Manu, qu'est-ce que tu penses de moi? Je pense que t'es une fille super. Pourquoi? Non, c'est... parce que c'est Annabelle qui pensait que... Non, ben rien. Mais non, mais dis-y. Dire quoi? Ce que tu pensais? Je vais aller chercher mon sac en bas, je l'ai oublié. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, non, ça peut attendre. Tu sais, Marianne, j'ai vu clair dans ton petit jeu. Comment ça que... T'essaies pas de m'impressionner un peu depuis tantôt? Tu sais, ce que tu m'as décrit au téléphone, puis ce que j'ai vu de ta famille jusqu'à maintenant, disons que c'est deux mondes. Mais oui, mais toi, t'es tellement sûre de toi. Ta famille est tellement parfaite. Mais je me sentais pas à la hauteur, alors j'ai inventé deux ou trois petites choses. Hey, arrête, Marianne. Toi, t'es toujours à la hauteur. Tiens, l'abominable intello des neiges. Intello? Ouais, des neiges. Ah, oh, je suis venu prendre une petite pause, là. J'en peux plus. Est-ce qu'il reste quelque chose à manger? À l'assiette de ton frère, pas de chasse à lasagne. Ah! Oh. Nathan, non, arrête ta grève de la faim, là. Ça changera rien. Mais pourquoi tu fais la grève de la faim? La pauvreté ou la guerre? Mon père me laisse pas sortir de la maison. Ben, 10h30 un soir de semaine, je trouve ça trop tard. Quand elle avait mon âge, Magali est déjà rentrée à 11h pour aller à une conférence sur la déforestation. Tu sais que tu sais ça, toi? Je l'ai appelée.
Puis moi, je suis déjà rentré à 11h pour aller écouter des films d'horreur que mes amis avaient loués. Non, mais toi, t'étais plus vieux que Nathan. Pas du tout. Le pire, Janine m'a dit que quand t'avais mon âge, t'avais le droit de rentrer tard une fois de temps en temps. Oh, l'argument béton. J'ai hâte de voir qu'est-ce que le juge va répondre à ça. Oui, c'est vrai, j'avoue que je suis peut-être un peu trop sévère, là, puis tes arguments sont convaincants. Mm-hmm. Et c'est vrai que toi aussi, tu vieillis, comme les autres. Bon, dis-moi, est-ce qu'il est trop tard pour appeler la mère de Sarah pour lui dire qu'elle peut te prendre en passant? Non! Tiens. Merci, hein. Allô? Ouais, Sarah. Ça marche. Je mange, puis je m'en viens. OK, bye. Bon. Merci. Hey, donne-moi ça! Claude, ah! Encore un journaliste qui voudrait faire une entrevue avec toi. Non, Annabelle. Non, il est pas intéressé. On passe live. Oh, la bouche pleine. Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Non. Je vous arrête, là. On a vraiment pas besoin de faire nettoyer nos tapis. Hey, Marianne, fallait que je te dise, il y a Pierre-Paul qui a appelé. Simon, c'est Paul, c'est ça. Mmh. Puis je demandais quand est-ce que vous allez retourner au cinéma ensemble. Mmh! Eh bien. C'est fini? Ouais. Ben, plus tard. Ah, oh, moi, faut que j'y retourne. Simon, en aidant Étienne, là, tu m'as prouvé ta bonne volonté. Je vais t'avancer l'argent qui te manque. Oh, merci! Mais je veux absolument que tu me le remettes avant ton départ. Promis! Mmh. Maintenant, Annabelle, là, peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe avec Marianne? Elle a honte de nous autres. Mais non! Pas en tout, là! Assieds-toi. Tu sais, Marianne, t'avais vraiment besoin de rien changer, hein? Sauf que t'as déjà une blonde, je sais, Annabelle t'a vue avec. De toute façon, là, je sais pas pourquoi je me suis fait des idées. T'es vraiment trop super pour moi. Hey, c'est facile à dire pour toi, ça. Avec ton Bryce, puis ton Pierre-Paul, puis toutes les autres dont j'ai pas encore entendu parler. Mais non, y a personne d'autre, là. Ça faisait partie du plan. Ah. Ben, la fille avec qui Annabelle m'a vue, c'est ma cousine. T'sais, Marianne, la seule fille avec qui j'ai envie de sortir, c'est toi. Marianne, je l'ai J'ai rien dit. Bye. Désolé, Tom, on a eu un petit problème de connexion tantôt. Ben, je sais pas, j'ai pas mon billet d'avion avec moi. Ah, ben oui, c'est vrai, hein, je pourrais faire ça, aller chercher mon billet. Dépêche, Simon, ça va avoir le temps d'aller acheter ton billet d'avion avant 9h. Thomas, on a un problème de connexion. Là, pourquoi tu lui as pas dit que t'avais pas encore acheté ton billet d'avion? Avoir la foi à distance, c'est peut-être pire qu'avoir la foi en direct, finalement. Allez, dépêche-toi, là, on va y aller. OK! Hey, c'est bon. Vancouver, j'arrive!